Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, nous c'est pas la grande forme, on fait aller en ce 2 avril du coup, mais la vidéo est tournée le 1er avril. On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. Bon, comme vous l'avez vu un petit peu dans le titre, hein, on a appris une mauvaise nouvelle hier avec Prada. En fait, Prada a quelque chose d'assez rare qui s'est développé. Là, j'allais dire c'est presque anecdotique, mais une troisième oreille qui lui pousse. Bon, on attend de voir quelle forme ça prend, mais voilà, c'est ce qu'on a appris hier. Et dans le même temps, suite à un accident où elle s'est fait renverser par une brouette, on a appris qu'elle avait une maladie génétique. Au niveau du système digestif à la patte droite et arrière droite. Et du coup, voilà, on doit malheureusement intervenir. Donc autant enlever cette troisième oreille au passage. Et on va devoir intervenir auprès de Prada. Malheureusement, c'est tellement rare qu'on va devoir faire appel à... Non, j'ai un peu ému. À un spécialiste. Et ce spécialiste, hein, le docteur Koulibaly, qui opère aux États-Unis à côté de Roubaix, va devoir intervenir sur Prada si les choses vont bien, j'allais dire, puisque, et c'est l'objet de cette vidéo, on va devoir faire un appel au don. Shadow, ça va aller pour ta soeur. Un appel au don, puisqu'il y en aurait à peu près pour 150 000 euros, c'est énorme, mais en même temps, le voyage... ça demande beaucoup de frais entre l'intervention et puis le docteur Diallo qui demande ses honoraires, puisque c'est unique, hein, ce serait même une première pour lui, j'allais dire. C'est quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle technologie qui sera employée, donc c'est ce qui demande tous ces fonds. Donc j'ai cette chance, j'allais dire, hein, pour répondre à ce besoin financier, parce que je n'ai pas du tout cette somme, vous vous en doutez bien, j'ai cette chance d'avoir une communauté, que j'espère fidèle. On va bien voir. Pour que ces dons puissent se faire, on va créer une cagnotte, hein, sur le site que vous connaissez bien, une cagnotte pomme et poire. Et du coup, l'objectif, voilà, c'est de récolter 150 000 euros. Alors, on prend aussi bien les bitcoins, les crypto-monnaies, hein, que les tickets resto et autres, euros, dollars et voilà, à peu près tout ce qui peut se faire, on prend, hein, on n'est pas regardant. Après, évidemment, si on n'atteint pas cette somme, bon, on partira moins loin, hein, voilà, on ira voir toujours un confrère ou du docteur Ndiaye, mais on fera au mieux en tout cas, mais bon, ça dépend de vous, hein, Prada. Ah, ma pardon. Ah ouais. Tu me regardes, mais c'est surtout les gens qu'il faut regarder. Regarde la caméra, voilà. On va voir si les gens ont un cœur. Mon cœur, un petit peu d'humour. Ce 1er avril. Voilà. Bref, l'émotion qui me gagne un petit peu. Excusez-moi, parce que c'est compliqué d'apprendre tout ça dans la même journée. Donc bref, voilà, on a vraiment besoin de vous. Le docteur Diabaté, évidemment, est prêt à intervenir dès qu'on a les fonds. J'allais dire, le plus vite sera le mieux. Je crois que la saison est pas mal là-bas en ce moment, donc il faut peut-être pas trop traîner. Et puis, on compte sur vous sur cette... comme dirait l'autre, on compte sur vous pour cette cagnotte. Hein, donc vous pouvez m'envoyer par mail, je peux vous donner mon RIP, tout ça, voilà, on peut s'arranger, mais par mail. Donc on va créer une adresse mail exprès, hein, un beau voyage pour Prada et sa famille. Et puis voilà, comme je vous le disais, c'est génétique. Malheureusement aussi, j'en profite, c'est sans doute héréditaire, puisque génétique. Donc peut-être que Shadow sera touché dans 2-3 ans. Voilà. Faudra-t-il partir aux Seychelles? On ne sait pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si vous avez un petit peu plus, pourquoi pas donner dès maintenant pour Shadow. Hein, nous, on mettra de côté en anticipation, évidemment. Et puis, parce qu'on a toujours... une volonté d'aider les gens et de se rendre utile à travers même notre malheur personnel. Ce qu'on voudrait faire, c'est que pour tout donateur supérieur à 100 euros, faire un reversement de 50 centimes à une association, ça nous tient à cœur,
encore le mot cœur, je crois que c'est le mot. On va essayer de faire un reversement, une association. On va voir peut-être la MMA, bon, qui est une association 1901, donc pourquoi pas se rendre utile également. Donc ça ne tient qu'à vous. Si vous faites un don supérieur à ce montant, voilà, ce sera reversé avec grand plaisir, ces 50 centimes. On espère aller loin. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus, j'ai envie de dire, mais tu pleures, Prada. Sèche tes petites larmes, mon petit cœur. Ça va aller. Je pense que les gens vont t'aider, ça c'est sûr. Ça va aller. Hein ? On va s'en sortir. Enfin voilà, on espère que vous répondrez présent comme vous l'avez toujours fait. Pas forcément financièrement, mais ça, on vous en veut pas. Hein. C'est la vie est dure, le prix de l'essence. Est-ce que ça vaut la vie d'un chien ? Bref, ceci étant dit, on vous dit merci d'avance, hein, évidemment. Et puis, l'aventure continue pour nous. On fera toujours des vidéos, hein, bien sûr. Avec une chienne à trois oreilles, voilà. Ça sera original, vous me direz. On fera peut-être le buzz, enfin, de rechercher depuis tant d'années. Bref, on vous dit à bientôt et merci d'avance à tous. Allez, embrassez vos loulous pour nous. Allez, ciao. Pas de ouaf, on n'a pas le cœur à ça, ma chérie. Pas de ouaf. Bon, bah super les filles, c'était bien. Prada, t'as été parfaite. Ouais, j'ai bien vu ta petite tête de miséreuse, là, comme on avait dit. Super, bravo. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Première vente d'e-book ? Ah, chouette. Les premiers e-books qui sont vendus. Et nos formations en ligne ? Vides ? Super, ça marche les filles, ça marche. C'est une affaire qui roule, ça c'est cool. Faudrait que je regarde pour les passeports, hein, si tout avance aussi, parce que va falloir qu'on se fasse avoir avec ça. Hein. Bon, on va aller se promener, nous les filles, et puis voilà. On va mettre ça en ligne, c'est trop cool la vie. Ouais. Ah merde, ça tourne, attends.